C'est les royaumes. C'est les royaumes. C'est les royaumes des Malures. Hey, Melouse, on se retrouve sur les royaumes de Malure, là. C'est un tabernacle de Corée, ça fait plaisir. Bon, c'est Max sur le fou, on se retrouve pour l'épisode 2 des royaumes de la Malure. Mais bien sûr. Je vous ai vu combattre. Il nous aurait fallu plus de gens comme vous. Effectivement. Oui. Les gros machins en pierre, oui. Je ne sais pas comment les Touata nous ont trouvés. Mais s'ils avaient un troll, ce n'est sûrement pas par hasard. Le destin a été bon de faire oh, des fléaux. Passage derrière vous. Si elle ne voyait. Vous aurez poursuivi dans la clairière. Allez, Phil. Les tisseurs du destin. Tous des charlatans. Hugues ne jure que par eux, mais plutôt mourir que de confier mon avenir aux cartes. C'est te veut. Allez. Donc, d'après les commentaires, ou plutôt le commentaire, donc voleur ou mage, je vais faire. Et ben, je pense que je vais partir sur du mage. Hein. Ça change un peu de ce que j'ai pu faire. Alors, je crois qu'on a des points de compétence, là, n'est-ce pas? Alors. Dissipation, non, sans branle, observation, En tant que grand futur mage, je pense que nous allons faire notre pouvoir de persuasion du mage, de marchandage, n'est-ce pas? Donc ouais, une persuasion, ça m'a l'air pas mal, là. Alors, vous voyez, donc sorcellerie, puissance, finesse. Donc finesse, c'est tout ce qui est archer, voleur. Voilà, sorcellerie, c'est mage. Hein. Donc il y a plusieurs sortes de mages. Et puissance, la puissance, c'est, mais bien sûr, la puissance, c'est tout ce qui est guerrier, à bouclier, à la grosse masse, à l'espadon, bien sûr. Alors. Eh ben, mage, quelques trucs sympas, bien sûr. Donc, attends, c'est dans quoi les chakras déjà? Les chaklams. Ah, c'est là les chaklams. Alors, sceptre, bâton, chakram. Oui, je vais prendre les chakrams parce que, voyez-vous, je vais en avoir très bientôt des très puissants. Monsieur, monsieur. Alors, tac, je mets tout là-dedans. Hein, et on va se faire un putain de gros mage, bien sûr. Ça change de guerrier, kéké. Évidemment. Alors. Oui, du coup, bah, on va prendre autre chose. Robe. Ouais. Vieille chaussure. Les vieilles chaussures. Putain, par contre, j'ai loupé les... Oh, la mort. J'ai loupé mes jambes et mes gants en tissu. Oh, le noob. Première fois, vous voyez. J'ai pas bien fouillé. Bah, voilà. 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 Pas bien fouillé. Merde, putain, je tombe de touche. Déblé-lé. Et on neige. Et on neige. Et on neige. On va tout prendre pour l'instant. Histoire de se faire un pas de saut, là. Comment on court déjà? On peut pas, non, on peut pas. Non. Oh, ok. Bonjour. Allez, ferme-la. Voilà. C'est comme ça qu'on est dégène. C'est comme ça qu'on est défense. Alors, petit crochetage. Donc c'est comme un peu presque Skyrim. Hein. Hop, voilà. Gants en cuir. Mais non, je veux des gants en tissu, bordel de merde. Bordel de merde. Alors ça, j'ai jamais réussi ce truc. Arrête. Mais... Arrête. Pas réussi.
Même les plus faciles, j'ai jamais réussi ces merdes. En même temps, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Non. 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 Ah! Voilà, c'est bien. Gant en fer, ah, ils se foutent de ma gueule. Hein. Ils me donnent les trucs que je ne veux pas. Je vais les taper. Hein. Alors, comment déjà. Non, pas ça. La consommable, bien sûr. Voilà. Je sais plus comment on active une potion directement. Ni comment on court. Je crois qu'on va même plus courir. Ah si, voilà. Ah oui, c'était contrôle. Pauvre blaireau. Allez, hop. 6 minutes de live déjà? Non, c'est pas possible. Déjà? Mais quand le temps passe vite, hein. C'est pour ça que j'ai fait des lives, des streamings, des vidéos de 40 minutes, hein. Mais oui, c'est clair. Ça dure pour longtemps, hein. Et ouais, mon frère. Et ouais, mon frère. Mon frère, ouais, ouais. Allez, on va niquer tout ça. Donc ça, c'est un simple bœuf. Ouh, regardez-moi ça. Je ne suis pas là. Hein. Je vais les manger. Je vais les taper. Hein. Chut, ne faut pas le faire de bruit. Faut pas faire de bruit. Faut pas faire de bruit. D'accord, il a un senti. Non. Eh, vilain. Non. Vilain. Les vilains petits tout ça. Eh, Winnie. Tu vas te calmer. Méchant. Vous, je me souviens de vous. C'est vous. Comment êtes-vous revenu? Comment m'avez-vous retrouvé? Non, j'ignorais complètement qu'une chose pareille arriverait. Le puits des âmes n'est pas simplement la marotte d'un gnome. Mon employeur me paye toute information sur les progrès effectués. Oula, Gwesnawin. Je viens d'expédier un rapport pour gagner un peu d'argent. Je n'ai jamais voulu faire de mal à quiconque. Alors, bah je pense qu'on va la jouer méchant. Hein, ce sera plus marrant. Je n'ai pas. Bon, tenez. Ouais, elle est bien ma persuasion. Plus ce que j'ai touché toutes les informations. Je ne pourrais pas le défendre. Je vais rentrer à Abessa. Bon. Oui, on gagne de l'or tranquillement. De toute façon, en étant méchant, dans n'importe quel jeu, on gagne toujours plus. Hein. Les méchants, c'est la facilité. Bien sûr. Bonjour. Comment vas-tu? Non, pas du tout. Eh, vilain! Arrête. 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 Mais. Arrête, j'ai dit. Non. Il a pas vu venir. Hein. Allez, ça dégage. Voilà, ça dégage. Bon. Alors, dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez vraiment que je fouille tout. Ou si vous voulez que je me concentre sur l'histoire principale sans trop faire de quêtes secondaires. Voyez. Parce que sinon ça va durer diplôme en fait. Hein. Si je commence à tout fouiller, il y en a bien pour facilement 50 épisodes en fait. Donc je pense que je vais me focaliser sur le principal et faire quelques quêtes sur le passage. Vous êtes venu de la tour, c'est ça? Je oui. M'appelle Agar. Pourriez-vous aider un pauvre tisseur du destin? Non, allez, salut! Hugues. Ah oui? Pauvre vieux Hugues le Pomorien. Lui, au moins, respectait la marche du monde. Et dire qu'il doit être mort à l'heure qu'il est. Ça a l'air de te faire... T'as l'air d'être triste. Quand il a commencé ses expériences,
Il m'a demandé de lui dire s'il y arriverait. Les cartes m'ont appris que le puits des âmes fonctionnerait, mais aussi que son succès viendrait le jour de la mort de Hugues. Pour tout vous dire, il l'a plutôt bien pris, même si nous avons beaucoup bu ensuite. Vous pouvez m'aider ? Je dois pouvoir dégager un peu de temps, en souvenir de Hugues, ou pour fêter son succès. Peu importe. Vous ? C'est donc vous ? Alors cela signifie ? Tout s'explique. Bon, t'as fini. Les cartes de ce matin. J'ai tiré le fossoyeur, le coureur et la bête. Préparez-vous. Les voilà. Bonjour. Un autre éphémère. Nope. Allez, tu meurs. C'est ça, bien joué, papy. Voilà. Hop, 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 voilà. Et ça bouge, ça gigote. Wow. Ça fait des bisous et ça fait mal. Regardez. Ça picote. Ça dégage. Quoi? Comment? Qu'êtes-vous? Les soins du destin. Je les avais déjà aperçus, mais jamais je n'ai vu quelqu'un les manipuler ainsi. Vous avez changé la manière dont tourne le monde. Mais comment avez-vous fait? J'ai piché un coup. Là, tu vois, je suis allé manger des céréales. Je me suis réveillé, j'ai pété un coup et hop, voilà. Vous quoi? Le destin relève de la volonté des dieux et non des mortels. Comment est-ce possible? Approchez. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire votre avenir. Que je suis pas un dieu. Vous pouvez peut-être changer quelque soit. Mais le voile du destin restera inchangé. Ouais, je vous promets de ne rien vous dire si je vois votre mort. J'imagine que oui. C'était un savant. Mais il avait un grand respect pour le destin, contrairement à de nombreux gnomes. Vous êtes nerveuse. Détendez-vous. Non, pas du tout. Je sais ce que je fais. Je verrai votre place dans le tissage du destin. Qui vous êtes, ce que vous avez fait. Où vous mène votre chemin. En tout cas, je devrais le voir. Vous êtes bien réel. Je n'ai pas tant bu que ça. Le tissage du destin est difficile à interpréter. Il ne cesse de se mouvoir. Difficile à distinguer, mais présent. Le vôtre est inexistant. C'est impossible. Eh oui. Toutes les créatures mortelles ont une place dans le tissage. Vous devriez avoir la vôtre. Que vous soyez morte ou non, si c'est vrai. Et je ne dis pas que j'y crois. Alors, c'est à vous de tracer votre propre chemin. Et ouais, même petit. Donc, voici la partie la plus intéressante du jeu. Enfin, après l'histoire. Donc, être unique, comme vous venez de réciter, votre destin est une page blanche que vous pouvez remplir comme bon vous semble. Donc vous voyez, on peut commencer en tant que bagarreuse. Donc en suivant cette destinée, vous deviendrez une combattante redoutable au corps à corps, vous pourrez encaisser énormément de dégâts, ou vous trouverez généralement plus efficace de bloquer ou subir une attaque plutôt que de l'esquiver. Voleur, bah tout est dans le titre, hein. Contrairement à un, les voleurs préfèrent combattre de loin, attaquer par derrière. Employer des méthodes peu honorables et généralement frappé par surprise. En choisissant cette destinée, vous pouvez vous faufiler, bien sûr, esquiver, mais oui, et enduire vos armes de poison, mais oui. Et acolyte, c'est ce qu'on va choisir, donc consacré aux arcanes, maîtrise des forces élémentaires, nanana, détruire vos adversaires à l'aide de la magie pure ou plutôt qu'avec des méthodes plus classiques ou des matières, blablabla. Voilà, donc on va prendre ça. Et vous voyez qu'on peut mélanger tout. Donc la puissance, combattant, soldat, guerrière, on augmente les échelons. Guerrière, conquérante, connétable.
Vous voyez, là, 109 de puissance, il faut. Après la finesse, éclaireuse, chasseuse, wodeuse, assassin, l'âme noire. C'est la mer noire. C'est le noir. Non, ça, c'est pas pareil. Sorcellerie, donc initiée, prophétesse. J'aime bien les images, n'empêche. Sage, sorcière, et enfin, archimage. Et ensuite, on peut mélanger le tout, en fait. Finesse, sorcellerie, ça fait disciple, arcaniste, thaumaturge, kabbaliste et ombre. Vous aimez bien ce nom? Ombre. Hein, disciple, arcaniste, thaumaturge, kabbaliste, ombre. Oui, je suis la mort. Enfin bref. Puissance sorcellerie. Donc ça, en gros, c'est un guerrier mage. Hein. Un mage de bataille, un mage de... championne. Ensuite, puissance finesse, duelliste, veilleuse, vengeresse et tueuse et maître lame. Alors celle-là, elle est vraiment pas mal. Et enfin, les trois. Puissance, finesse et sorcellerie. Quêteuse, voyageuse, aventurière, prodige, philosophe et universaliste. Or cette classe c'est un quand même, elle est pas très utile en fait. Hein. Faut vraiment aimer. Ça sert à rien en fait quasiment d'en avoir trois, parce qu'en général on n'utilise pas plus de deux. Je veux dire, utiliser l'arc des sorts et le corps à corps, ça sert pas à grand chose. Autant utiliser des sorts et du corps à corps directement. Enfin bref. Donc pour l'instant, je vais partir sur du mage. Hein, et si vous voulez que je mélange du mage avec quelque chose. Donc soit mage... soit mage puissance, soit mage finesse. Et ben, vous me dites. Bon. Voilà, confirmé. Qu'est-ce que ça signifie ? De rien vouloir dire. Ou alors, c'est la réponse à tout. Tu m'aides beaucoup, connard. Le monde change. Vous en êtes peut-être un symptôme. Ou la cause. Je n'ai jamais eu à remettre en question mes propres prédictions. Mais je devrais peut-être consulter Arden. Par contre, tes lèvres ne bougent pas. Mais il a un bon œil. Je vous retrouverai il dans ce pays à l'est. Je vais voir si je peux apporter de l'aide aux blessés de la tour. Bien sûr. C'est bien là le problème. Je ne sais pas si vous avez un destin. C'est pour cette raison que nous allons voir Arden. Il vit dans une petite hutte à l'est, à Yolvan. Je vous y retrouverai. Bien, monsieur. Qu'est-ce que cela signifie ? Au revoir, monsieur. À quoi on est réduit ce monde ? Vous voyez, on peut quand même avoir plein d'informations en les questionnant, tout ça, mais on va pas passer 10 ans non plus. Déjà, les vidéos sont assez longues. Donc là, je prends ça pour avoir l'exp. Peu importe à quelle espèce vous appartenez, une telle barbarie est une véritable tragédie. Regardez cette pauvre créature. Elle a failli succomber sous les coups. Les failles ont beau être étranges, elles ne méritent pas ça. Il semblerait qu'on l'ait attaquée avec une lame courte, probablement une dague, mais je ne saurais l'affirmer. Personne n'a bronché quand elle a appelé à l'aide. Ils n'ont pas levé le petit doigt, vous vous rendez compte ? Ou assiste ! C'est long de traiter quelqu'un ainsi. Faé ou pas faé, j'ignore si nous avons les connaissances pour soigner cette blessure. À vrai dire, je ne sais même pas si je pourrais sauver un mortel aussi gravement touché. On va aider. Vous êtes bien la seule. Avec tous les problèmes que nous avons au village, les gens baissent les bras face à l'adversité. Ils préfèrent m'ignorer. Je vais vous suggérer une approche un peu inhabituelle. Il y a une faé qui s'appelle Aeri. Et l'autre qui agonise à côté. J'aimerais bien lui demander conseil. Je n'ai pas le courage. C'est la vérité.
Une faille sera peut-être une autre faille. Sinon, ils n'auront pas avancé d'un pouce. Ok. On passe ses journées sur le précipice qui surplombe le village. Elle croit que nous n'avons pas remarqué sa présence. Mais nous ne sommes pas dupes. Ok. Au revoir. Donc, ouais, on va le jouer méchant, mais je vais quand même prendre quelques quêtes. Hein, sinon. Je vais quand même aider les gens, sinon bon, on va pas avoir d'exp. Vous voyez ? C'est ça dont je parlais. Imperturbable. Suivez votre voix, une aisance peu commune, sans rarement le contrôle des situations. Ouais, ouais, ouais. Donc, vous voyez la différence. Donc, 8 dégâts. 4 dégâts physiques, 4 dégâts perforants. 27 dégâts. 7 dégâts physiques, 7 dégâts de feu, 13 dégâts de brûlure en 3 secondes, 10 mana, 10 santé, papa la pap. Enfin bref. Donc en gros, ça pique. Vous voyez. Armure. Ah, il faut de la puissance pour ça, merde. Quoi de bic, hein? C'est méchant. Ah, je crois qu'on va, on va peut-être faire un match de guerre hein, au final. Ça m'aiderait. Ouais, ouais, ouais. Un mage de guerre, ça pourrait être pas mal. Un mage guerrier, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Bien sûr. En plus, avec le 7... Alors, attends, il faut 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, ouais, il me faut 3 de puissance, mec. Donc, pour l'instant, je peux rien mettre. On va vendre quelques trucs. Donc, cette arme est juste jouissive. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Ah, c'est sympa, hein? C'est plus jouissif que les petites dagues. Hein. Ou même l'épée, ou les trucs chiants. Là. Les chaclames. En plus, c'est un putain de nom. Les chaclames. Chaclames. Nanen, ça brûle. Commerce. Vendre. Donc, vendre tout le bric-à-brac. D'accord, il n'y a rien. Allez, un vin, un vin. Ça ne vaut rien. Donc là, zéro. Puisque c'est du... C'est un peu de l'héritage, en fait. Je sais même plus pourquoi j'ai ça. Je crois que j'ai ce stuff... Et ces chakrams parce que j'avais... J'avais quoi? Je crois que j'avais fini le jeu ou débloqué un succès ou je ne sais plus quoi. Je sais plus. Bon. On va... Ferme-la! Ferme-la! Bienvenue à la mission permanente de Saint-Odwin. Je vous inviterai bien à entrer, mais notre ordre s'est montré trop confiant par le passé. Nous tâchons d'apprendre de nous. Ouais, en gros, ça veut dire dégage. Vous arrivez juste au moment où j'ai besoin d'aide. Mitaru est peut-être à l'heure. À Saint-Odwin, nous avons travaillé dur pendant des années pour établir une présence sur cette colline. Nous avons eu notre lot d'épreuves. Avant-hier soir, Egan a franchi les murs pour aller ramasser du bois, et il n'est jamais revenu. Il faut le retrouver avant qu'il lui arrive quelque chose. Pas de soucis. Allez, ferme-la. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des quêtes secondaires, hein, du déjà vu. Toujours des quêtes, retrouver ci, retrouver ça, blablabla. Nous, on va y prendre pour y vendre. Et les poulets! Ah là, c'est pas Skyrim, hein. Ah, y'a personne qui te défend, là, hein. Petit poulet de témant. Bon. Alors. Eh bien, les amis, on va faire un petit combat et on va s'arrêter là. Et vous me direz surtout si je pars vraiment en explo ou pas. Si vraiment je fais toutes les quêtes secondaires. BOUM! Tu es méchant! Viens! Ça picote! Voilà. Ah, oh, bah en plus j'ai une capuche. C'est magnifique.
Voilà. Eh bien, les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, on se fait le petit groupe. Voilà, là, 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 là. Boum! Ah, ça calme, hein. Voilà. Et bien voilà, c'était les royaumes d'Amalur avec Max. Salut. Oui. D'ailleurs, petite info à faire passer. Je ferai sûrement des vidéos sur Dishonored 2, qui va sortir en fin de semaine, à l'heure où je vous parle. Donc, je vais vous mettre mon lien Twitch dans la description. Et abonnez-vous, partagez, hein, ça me fera plaisir. D'ailleurs, je le dis pas souvent, ça. Abonnez-vous, partagez, aimez, blabla. Parce que bah, vous faites un peu ce que vous voulez, hein, en fait. Mais j'avoue que ça m'aiderait un peu que vous partagiez, vous voyez. Allez, voilà, c'est fini. Bon, attends, ça me gratte la couille. Voilà. Allez, à plus, tout le monde. Oui.